Alors, Jean-Charles Bessier, je suis donc enseignant et chercheur au sein de l'ESCEZ, qui est une école qualité, sécurité, environnement, qui est rattachée à l'Université catholique de Lyon. Voilà, donc dans mes missions, des missions d'enseignement, bien sûr, on a une formation qui permet à des étudiants du bac jusqu'au bac plus 5 de se former au métier de qualité, sécurité, environnement. Et puis j'ai également des missions de. Je suis chargé de projet pour l'ESCEZ et on essaye de diffuser cette formation au-delà de nos frontières lyonnaises d'une part, mais également françaises, puisqu'on a des objectifs de former en Afrique, par exemple, des futurs préventeurs via des nouvelles modalités de formation, notamment e-learning, formation à distance, etc. Alors l'enjeu de cette rencontre, je pense que c'est d'ouvrir encore le public de Préventica, d'élargir les personnes qui vont venir, donc au-delà des grandes entreprises qui sont souvent la cible un peu traditionnelle, vers des entreprises peut-être plus petites déjà, hein, c'est quelque chose qu'on a abordé hier au sein du comité de pilotage, et puis également d'associer le mieux possible peut-être les étudiants, c'est-à-dire les futurs travailleurs de demain, managers de demain ou experts santé sécurité de demain, donc faire venir les étudiants pour qu'ils s'intéressent à ces questions de santé et de sécurité au travail, soit en tant que spécialiste, soit en tant que futur manager simplement qui vont être en responsabilité de s'occuper d'équipes dans un monde du travail qui évolue beaucoup. Alors nous, on s'associe à Préventica justement parce que, formant les étudiants, on est à l'affût de tout ce qui se fait dans le monde de la prévention. Les nouvelles méthodes, les nouvelles techniques, les nouvelles problématiques aussi, hein, qui sont passées en quelques années de la santé, sécurité, prévention des accidents ou des maladies à un élargissement autour de la qualité de vie au travail, avec des attentes des salariés qui sont de plus en plus larges, salariés qui souhaitent avoir du bien-être, et puis des entreprises qui souhaitent une meilleure implication de leurs salariés, justement en favorisant le bien-être et la qualité de vie au travail.